Le voici, l'homme le plus grand actuellement dans cette fédération, autrement dit, le géant Great Khali. Il reste sur une grosse défaite, Great Khali. C'était à nos merci. Il a été battu, on a vu le résumé tout à l'heure en tout début de programme, par Batista. Mais là n'est pas le problème. Attardons-nous sur le cas Jamie Noble. Et il parle beaucoup, hein, Jamie. D'abord, il a quand même tout à l'heure, on l'a bien vu avec Deuce et Domino, il a cafeté et ça c'est pas bien. Et puis il cafte à tout le monde, hein, même à la General Manager. Qu'est-ce qui s'est passé dans son bureau tout à l'heure? Eh bien, Jamie Noble était là dans le bureau lorsque Vicky a annoncé au monde entier que Theodore Long serait de retour normalement la semaine prochaine. Ah, il va mieux, j'espère. Hein. Ben, s'il revient, oui, j'imagine. Quoi. Et Jamie Noble, il a dit, ouais, bah d'ailleurs, à ce propos, je voudrais te dire, t'es qu'une sale opportuniste. Selon lui, elle a profité du fait que Theodore Long ait eu cet accident cardiaque, voilà. Oui, pendant son mariage. Pour prendre le boulot. Eh ben, Madame Vicky Guerrero lui a dit, bah écoute, tu sais quoi, tu commences à me saouler. Tu vas avoir un match juste après, ça sera contre le Great Khali. Bah voilà. Eh bien voici. Il a la langue bien pendue, hein, Jamie Noble. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il a dit à propos de Sherry. Moi, j'aimerais bien savoir, vous savez, vous ? Ben non, je sais pas. À mon avis, en plus, c'est totalement inventé. On l'avait vu fricoter avec Ric Flair, hein, il y a de ça quelques années. Regardez le Great Khali. Hein ? Vous vous rappelez de ça ? Oui, Sherry, oui, bien sûr. Bien sûr, je m'en souviens, j'ai vu les photos. Tout le monde croyait que c'était avec Batista, mais en fait, c'était avec Ric Flair qu'elle avait fricoté. Ouais, je sais. Enfin, je doute. Jamie Noble. Oh, ça va être dur face au Great Khali, bah oui, d'autant que le Great Khali a perdu son Punjabi Prison Match, on vous le rappelle, face à Batista. Regardez, un père et son fils. Papa, je vais t'étrangler. Oui, voilà, ça va être dur, à mon avis. Oh, tiens, gamin. Attention. Ah, voilà. Oh, il est tombé sur les genoux, mais surtout sur le visage. Hein. T'avais qu'à ranger ta chambre. Et tiens, parle pas comme ça à ta mère. Ah, oui. Voilà, là, je pense que c'est presque la fin. Oui, aussi, hein, on est d'accord. Il va falloir, oui, il est marrant le Great Khali. Regardez la tête de Jamie Noble qui vient se planter dans le ring. C'était pas le meilleur angle, hein, mais ça s'est vu. Et pour finir. Oh non, le vice grip. Tu vas bien travailler à l'école, ça va rentrer dans ta petite tête, oui. Et t'as vu à l'heure qu'il est? T'es pas encore rentré. Où t'es? Bah, il est là. Oh là, il est en train d'entrer. Il lui a arraché les yeux. Voilà, c'est fini. Non, c'est pas drôle, là. Non, Philippe, c'est pas drôle. Non, ça devient sérieux. Non, on ne rigole plus du tout, d'ailleurs, on n'a jamais rigolé. Parce que là, Jamie Noble... Arrêtez. Non, là, c'est vraiment plus drôle que l'arbitre intervienne. Oh. Jamie Noble... La couleur de la tête de Jamie Noble. Ah, toute rouge. Il a failli lui arracher... Un jour, il va arracher la tête de quelqu'un, on va pas comprendre.